Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première fois à la faculté de médecine pour une rencontre de la Comédie du Livre. J'en profite pour remercier l'Université de Montpellier, son président Philippe Auger et toute son équipe qui donc a permis à ce moment d'avoir lieu. C'est un moment très spécial, c'est le début de la carte blanche. Notre invitée Maïlys de Kerangal. Nous sommes vraiment très heureux qu'elle ait accepté ce défi. Et donc, vous verrez dans le programme de la Comédie du Livre que durant tout ce week-end, il y a pas mal de moments intéressants, insolites, passionnants qui vous attendent. Je remercie Olivia Rosenthal, qui est donc une des invitées de Maïlys de Kerangal. Et je laisse de suite la parole à Antoine Boussin, qui est un ancien directeur commercial des éditions Grasset et ancien libraire, et qui va ce soir mener les débats. Très bonne soirée. Merci Régis. Olivia, vous prenez un micro ? Alors, c'est pratiquement les éditions verticales qu'on met à l'honneur avec vous deux. Oui, mais c'est effectivement chez Vertical que j'ai découvert Olivia en la côtoyant dans cette maison d'édition. Moi, je voulais juste dire que donc c'est le premier moment de cette carte blanche. Je suis très heureuse de la partager avec Olivia. Et aussi, ça me permet de faire signe à un écrivain important. Et aussi à quelqu'un avec qui j'ai noué une relation au fil des années. On a publié à peu près au même moment chez Vertical, il y a peut-être une vingtaine d'années. Olivia a publié une dizaine de livres, une dizaine de fictions, peut-être un peu plus. Ce qui m'intéresse dans son travail, outre sa beauté, c'est la manière dont Olivia ouvre la littérature sur d'autres mondes que le monde proprement littéraire. Enfin, elle fait venir dans la littérature des choses qui sont a priori, qui se situent a priori en dehors d'elle. Parmi ces continents qui se situent a priori en dehors de la littérature, il y a par exemple la science. Et je trouvais que c'était... une belle idée, quelque chose d'assez cohérent, de l'inviter à venir parler de mécanismes de survie en milieu hostile dans ce musée, dans cette université, à la faculté de médecine, dans ce lieu qui n'est pas un musée. Et après cette visite du conservatoire que l'on a pu faire, où il est question du corps, où il est question de la science, où il est question justement des représentations, et tout cela dégageant un imaginaire et évidemment du langage. Voilà, donc Olivia, merci d'être venue. Olivia, merci d'être là. Moi, j'ai lu vos deux livres, justement, pour préparer cet entretien, et je me suis dit, mais c'est quand même étonnant. J'ai plusieurs questions. Depuis quand vous vous connaissez, vous venez d'en parler. Est-ce que vous saviez si l'une et l'autre préparaient ce texte ? Est-ce que vous avez su, quand vous avez commencé à penser à mécanismes de survie en milieu hostile, est-ce que vous saviez que Maïlys préparait, réparait les vivants ? Et puis, troisième question, surtout dans ce lieu, sur un domaine qui, moi, a tendance à m'effrayer un peu, à me faire reculer, je me suis dit, un roman sur une transplantation cardiaque et un roman sur la fuite, la mort, la survie, l'EMI dont vous allez nous parler, j'ai été fasciné du début à la fin de chacun de vos deux livres. Alors, ils sont différents, bien sûr, dans l'écriture, ils sont différents dans la structure, mais il y a ce fil rouge entre les deux. Donc, première question, est-ce que vous saviez l'une et l'autre, avant de vous retrouver ici, que vous alliez préparer ces textes ? Olivia. Alors, je suis très contente d'être là pour discuter avec vous, avec Maïlys, de littérature, de science, et simplement dire que c'est vrai qu'on se côtoie avec Maïlys depuis un certain temps, et qu'on échange aussi, on parle beaucoup de littérature ensemble et de ce qui nous plaît dans la littérature, mais c'est vrai que quand on a des projets d'écriture, en général, c'est pas des choses dont on parle nécessairement, parce qu'en fait, il y a quand même un petit secret ou une superstition, je pense, enfin, en ce qui me concerne, une superstition, pour Maïlys, elle vous dira, je sais pas, mais la crainte aussi, en parlant de quelque chose qu'on n'arrive pas, que finalement, à force d'en parler, on n'arrive plus à le faire. Donc...
c'est important de garder le secret sur ce qu'on est en train de faire parce que on est jamais complètement sûr qu'on va y arriver. Donc je crois pas qu'on ait tellement échangé. Vous l'avez publié la même année, hein. Le mien en janvier et le tien en septembre après. Oui. Mais au moment où Réparer les vivants est sorti, il y a eu quand même presque 6 mois où tu ne m'as pas dit que tu sortais un mécanisme, enfin que ça allait être sur un domaine, même si évidemment c'est des fictions différentes, etc. Mais que c'était un domaine commun. Et après, moi, ce que je crois, c'est que les écrivains sont comme tout le monde, c'est-à-dire ce sont un peu des éponges aussi. On a un rapport au monde qui nous entoure, même si ce n'est pas des livres qui sont nécessairement des livres politiques ou des livres sur le contemporain directement. En réalité, on est complètement imprégné par ce qui nous entoure, par des tas de choses qu'on entend, etc. Et donc, ce n'est pas tout à fait un hasard non plus. Si, à certains moments, des livres qui traitent de choses proches paraissent en même temps, parce que ça correspond à des moments de l'histoire de la pensée, tout simplement, et que ces choses-là se produisent. Après, c'est vrai que les livres sont extrêmement différents en réalité, mais je crois vraiment qu'il y a des proximités qui sont au-delà de nous, qui traverse en fait, qui traverse l'histoire de la pensée et auxquelles on est sensible l'une et l'autre. Votre rapport à la médecine, l'une et l'autre, justement. Vous, est-ce que vous saviez, vous avez publié en 2014, est-ce qu'en 2012, quand vous avez préparé ce texte, vous saviez ce qu'était qu'une transplantation cardiaque ? Non, moi je dirais même que c'est précisément parce que je suis d'abord étrangère au sujet qui m'intéresse, que ça, voilà, qu'il y a un geste qui peut se mettre en place. Enfin, je pense que ça excite beaucoup mon désir d'écrire, de ne rien en connaître, en fait. Hein. Là, je dirais, l'aspect un peu épique du texte, il est d'abord dans l'idée d'aller le chercher, ce texte, dans des zones complètement inconnues. Alors, en plus, je l'ai découvert au fur et à mesure que je l'écrivais. Il y avait quand même un gros point à régler, qui était l'histoire de la mort cérébrale, qui était quand même... quand j'ai commencé ce livre, je pensais... j'étais un peu sous le régime d'avant 1959, l'année où l'on a redéfini la mort. C'est-à-dire, je pensais plus ou moins, de manière assez confuse et sans m'être jamais vraiment interrogée dessus, que le cœur battant signait la vie d'un corps humain. Et j'ai découvert en écrivant ce livre que légalement, en 59, ça se déplace dans le cerveau et c'est l'activité cérébrale qui atteste ou non de la vie d'un corps. Et ça, par exemple, c'est un chemin qui est dans le courant du livre. Après, moi, il y a des médecins dans ma famille. J'ai un frère qui est chirurgien cardio-thoracique, qui a pu regarder quand même certaines nuances. Enfin, il était très sur les couleurs, les gestes, quelques mots qu'il pouvait préciser. Mais sinon, non, c'est un chemin que j'ai mené seul. Ce livre, vous avez mis combien de temps pour l'écrire ? Une année, jour pour jour, 12 juillet 2012, 12 juillet 2013. Parce que ce livre se déroule en 24 heures, pour simplement faire un rapide parcours du livre. On est sur une plage du Havre, je crois, ou pas très loin, où trois amis veulent passer une journée parce qu'ils attendent une vague, passionnés de surf. Et puis un accident arrive. Deux s'en sortent très bien et l'un va mourir. Et à ce moment-là, on posera les questions à la fin, monsieur, si vous voulez bien. Et à ce moment-là, vous allez construire une sorte de fiction polar avec un rythme effréné. On pourrait dire que, brièvement, est-ce que la transplantation va... D'abord, on se pose la question sur la mort. Les parents se posent la question, ils entendent révolte. D'ailleurs, il y a un passage que j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, Mélisse, de lire. Et puis, à la fin du livre, on peut la raconter, parce que c'est un faux polar, évidemment, quand je dis ça. Mais c'est une introspection incroyable sur la peur de la mort et l'envie de vivre pour que la transplantation réussisse. Oui, c'est vraiment une fiction qui, j'allais dire, très simplement, prend... en charge une transplantation cardiaque. C'est-à-dire, ce que fait le livre, c'est qu'il achemine un cœur d'un corps dans un autre corps, du corps de ce garçon Simon qui meurt à l'issue d'une session de surf, dans le corps de cette femme qui est traductrice et qui donc
regarde aussi vers l'étranger. Enfin, l'intrus, l'étranger, elle peut l'accueillir en elle. Donc il y a cette espèce de ligne. Et en fait, moi, quand je commence le livre, je sais que je l'écris quasiment du point de vue de la fin. C'est-à-dire, je sais que ce que je dois, ce que la fiction doit accomplir, et donc ce que doit être mon geste, c'est d'atteindre le corps de cette femme. Et donc, évidemment, ça induit un protocole de travail qui est aussi connaître le processus de la transplantation, connaître les étapes. Et là, il y a aussi, au fur et à mesure, comme je le disais tout à l'heure, il y a une démarche documentaire qui se tisse dans la fiction. Je vais lire la toute première page de votre livre, Olivia, et j'aimerais bien que vous me disiez un peu ce que vous en pensez toutes les deux. Donc, c'est la première page de Mécanismes de survie en milieu hostile. Les faits ne se contentent pas d'arriver, ils reviennent. Qu'on les accepte ou non, ils sont plus insistants et plus entêtés que les stratagèmes qu'on invente pour les éviter. Écrire fait partie de ces stratagèmes. On croit contrôler, répartir, organiser, tenir le réel sous sa coupe, et la plupart du temps, on se laisse déborder. On avance aveuglément vers le dénouement pour découvrir in extremis qu'en fictionnant le monde, on a seulement essayé de retrouver ce qui avait eu lieu et qu'on avait oublié. Qu'est-ce que vous en pensez, Mélisse de Kerangal? Vous êtes toutes les deux. Non, je suis très impressionnée par cette page que je trouve très très forte. Enfin, qui en fait dit deux choses pour moi. Enfin, ce que j'en comprends, qui dit que d'une part, il y a quelque chose dans la littérature qui est toujours une espèce de tentative de fictionner, hein, d'une forme de faux qui serait un accès au monde, et en même temps que tout est tout le temps là pour toujours, enfin, c'est-à-dire il y a cette idée du retour, qui les faits reviennent, et je trouve que c'est intéressant de coupler cette idée que on va essayer de maîtriser le réel en maîtrisant le langage, en construisant une fiction, en établissant comme ça des phrases, donner un sens à un texte, et en même temps, voilà, les choses vous échappent, mais ne s'échappent pas, c'est pas forcément évanescent, elles vous ramènent toujours au point le plus fondamental et le plus essentiel. Olivia Dresenthal, vous teniez à mettre ce préambule. En fait, ce préambule, vous savez, c'est toujours ces préambules qui sont des faux préambules, parce que pour écrire un préambule comme ça, il faut déjà avoir écrit le livre. C'est un préambule de fin. Et c'est intéressant par rapport à ce que dit Maëlys de son travail, puisque là, pour réparer les vivants, c'est peut-être pas vrai à chaque fois, mais vraiment le travail consistait, comme tu dis, à aller vers la fin, c'est-à-dire, et d'ailleurs on sent cette urgence dans le livre, c'est-à-dire le fait que non seulement il faut faire vite pour passer d'un corps à un autre, mais le texte lui-même va être un texte urgent, c'est-à-dire il y a vraiment une urgence, et donc il y a ce cheminement vers la fin qui est connu. On ne sait pas si cette femme va ou non survivre, mais on sait que ça va vers ça. Et alors moi j'ai fait un peu le trajet inverse, et c'est ce que dit cette phrase aussi, c'est que au fond moi j'ai commencé un texte en me disant je vais vous raconter une histoire, et cette histoire non seulement c'est une fiction, mais c'est presque j'ai presque voulu écrire un livre de science-fiction, en fait, presque. C'est-à-dire, ça commence vraiment dans un monde dont on n'est pas très sûr que ce soit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais plutôt un monde d'après, etc. Donc, je me suis dit, voilà, j'écris un livre de science-fiction, et on y va, et ça commence, etc. Et en fait, et c'est ça que dit ces premières phrases, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que j'étais en train de faire. Bah oui, et moi, lecteur, ce n'est pas du tout ce que j'ai lu. Et que donc, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que j'écris une fiction et que quelque chose d'autre qui n'est pas de la fiction, pour moi, qui n'est pas de la fiction, me rattrape dans cette histoire, et que finalement, je me retrouve à raconter quelque chose. Comme je dis, les faits reviennent, c'est-à-dire des faits, et non pas de la fiction, si on peut dire, qui viennent me hanter et qui viennent coloniser ce texte. Et à un moment, je croyais raconter quelque chose, mais c'est toujours un peu comme ça quand j'écris. L'aveuglement dont je parle, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai besoin, en tout cas
j'ai besoin de cet aveuglement, de me raconter, voilà, je vais vous raconter une histoire, et en fait, je me rends compte que bah, c'est autre chose qui est en train de se produire. Et finalement, écrire, pour moi, ça consiste à accepter cette activité, en fait, de, on pourrait dire presque de dévoilement, qui est à la fois un dévoilement pour le lecteur, parce que petit à petit, il va se rendre compte, lui aussi, que l'histoire qu'il lit, ce n'est pas tout à fait celle qu'il croyait. Exactement. Mais ce n'est pas seulement pour le lecteur, je voulais vous rassurer là-dessus, ce n'est pas, un stratagème, justement, c'est aussi pour l'auteur. C'est la même chose, en fait. Oui, alors moi, j'irai plus loin, parce que je me demande si vous ne manipulez pas au départ. Non, justement. Simplement, le premier chapitre, qui s'appelle La fuite, on ne sait pas où on est, on ne sait pas à quelle période on est. Mais on sait qu'une femme va abandonner sur son chemin une autre femme. On ne sait pas exactement quel âge elle a, ce qu'elle fait là, pourquoi elle l'abandonne. Elle l'abandonne dans des situations épouvantables. Oui, mais on est dans un monde... À un moment, on n'est pas loin de Kafka dans votre livre. Moi, je dirais plutôt que dans la science-fiction. Comme ça que je l'ai lu. Là où je dis que... Enfin, c'est pas une manipulation au sens où... D'abord, ce premier chapitre, il a une très très longue histoire, en fait. C'est un chapitre qui a été écrit, pas tout à fait dans cet état-là, mais presque, avant la parution d'un autre livre qui s'appelle « Que font les reines après Noël ?». Et en fait, j'ai commencé à écrire un livre que j'ai été obligée d'abandonner parce que je n'arrivais pas à le continuer. Et donc, je l'ai laissé et j'ai écrit « Que font les reines après Noël ?». Et puis, quelques années... Et en fait, ce livre abandonné m'a beaucoup, beaucoup occupé l'esprit... Je n'arrivais pas vraiment à l'abandonner. C'était extrêmement douloureux d'abandonner ce livre, comme c'est douloureux pour cette femme d'abandonner l'autre femme sur le bord de la route. Et donc, je suis revenue en fait à ce texte beaucoup plus tard, et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à l'écrire parce qu'en fait, je voulais raconter une histoire qui commence par cet abandon et qui continue par la suite. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça qu'il fallait que je raconte, il fallait que je commence par cet abandon, mais cet abandon n'avait pas de suite, en fait. Il fallait revenir en arrière après. Et donc, voilà, l'histoire de la genèse de ce texte, c'est aussi... c'est très important dans ce que je dis là, c'est-à-dire que pour expliquer que ce n'est pas une ruse... Non, mais c'est important cette histoire qui n'est pas de stratagème, précisément. C'est un vrai parcours, en fait. Et en fait, c'est là où je crois que nos deux livres sont assez... ils racontent quelque chose de complètement différent, mais il y a plusieurs choses qui les relient. Mais une des choses, pour moi, qui les relie, c'est le rapport au parcours. Enfin, c'est-à-dire le fait que ce sont des livres qu'il faut traverser, en fait. On ne peut pas s'arrêter au milieu d'une transplantation, ça ne marche pas. Et pour mécanisme de survie, oui, on peut s'arrêter, mais si on s'arrête, on n'a pas compris le livre, en fait, parce qu'en fait, c'est une sorte de parcours, et c'est à la fin qu'on sait pourquoi ce début a eu lieu, en fait. Et donc, il y a ce rapport qui, moi, m'intéresse beaucoup dans la littérature, effectivement, ce rapport à la nécessité de parcourir dans le temps, pour moi, le sentiment d'urgence à devoir avancer dans ce livre. Et je crois qu'il y a ce travail de la ligne, il est très important dans ces deux textes-là, même s'ils sont... Encore une fois, je c'est pas que je les compare au sens où ils se ressemblent pas, mais il y a vraiment des rapports assez forts. Et l'autre rapport très fort, c'est évidemment le rapport à la science, le rapport à la documentation dont tu parlais. Olivia de Rosenthal, expliquez ça, parce que vous allez peut-être croire, mesdames et messieurs, qu'on a préparé cet entretien, mais absolument pas. Mais moi, j'avais souligné deux passages que j'avais envie de lire, parce qu'ils sont quand même très, très révélateurs, et vous acceptez de les lire. Ces deux récits que vous choisissez d'écrire, évidemment avec deux styles différents, mais en deux présentations différentes. Il y a un récit en italique, et puis l'autre, tout à fait normal, naturel. Vous acceptez, Olivia, de lire ça ? Donc, peut-être vous dire que c'est tiré de ce fameux premier chapitre, qui est l'histoire donc, de cette femme qui en abandonne une autre sur le bord de la route, et qui compte les jours qui la séparent du moment où elle a abandonné cette femme. Donc, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, vous voyez un peu ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, de temps en temps, il y a des irruptions très bizarres de textes qui, a priori, n'ont rien à voir, qui sont des textes en italique, et ce sont des textes sur ce que je vais vous lire là, c'est-à-dire les EMI, qui sont les épisodes, ce qu'on appelle les épisodes de mort imminente. Il est possible d'expliquer les sensations des décorporations éprouvées lors des EMI, donc épisodes de mort imminente,
par des processus neurobiologiques qui, d'une certaine manière, confortent, valident et complètent les thèses proposées par les psychologues. Dès que surviennent des dérèglements chimiques, privation d'oxygène, présence excessive d'endorphines, de dopamine ou de sérotonine, le cerveau, pour se défendre, réagit en déclenchant des mécanismes d'inhibition destinés à enrayer les phénomènes qui ont commencé à se produire. Mais, s'il parvient ainsi à se maintenir et à se conserver, son action inhibitrice produit divers effets secondaires. Les hallucinations et expériences otoscopiques, sorties hors de soi, sont des dysfonctionnements du lobe temporal droit qu'il accepte en échange de son maintien et de sa survie. Pour réussir à se conserver, le cerveau doit consentir, par un système complexe de compensation et d'équilibre, à certains sacrifices. Je n'arrive plus à compter les jours. 33e jour sans doute, 33e jour. Je vais devoir monter sur le plateau, là où ils m'attendent, là où ils me tueront. Je n'aurai pas la force de courir, ni de crier, ni de tuer. Alors qu'ici, je peux reconstruire une dernière fois... Ah. Alors qu'ici, je peux reconstruire une dernière fois tout ce par quoi je suis passée avant de finir. Je l'ai abandonnée sur la route. Elle ne m'a rien dit. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas fait le moindre signe. Ça me revient. 33e jour, je vois la peur dans ses yeux. 33e jour, je me souviens de la peur dans ses yeux. 34e jour, sa peur se transforme en effroi. Elle ne parle pas, mais ses yeux parlent à la place de sa bouche. 35e jour, je n'arrive pas, même en pensée, à lui fermer les paupières. 35e jour, elle a peur, moi aussi. J'ai peur de mourir en gardant l'image de son regard braqué sur moi. 36e jour, je veux rayer cette image, elle persiste. 36e jour, je ne veux pas mourir les yeux ouverts. Ça continue après, on ne sait pas. Ça continue justement. Alors, comment vous avez choisi ce qu'on appelle en italique les cas cliniques, les différents cas ? Alors, donc en fait, ce qui s'est passé pour réécrire ce texte dont j'avais le premier chapitre et que je ne savais pas quoi en faire, en fait, je me suis intéressée et a priori, au départ, ça n'avait rien à voir. Je me suis dit que j'avais envie d'écrire quelque chose autour de ces épisodes de mort imminente, c'est-à-dire autour des gens qui, vous savez, passent de l'état de vivant à l'état de mort, puis de l'état de mort à l'état de vivant. C'est surtout ça qui m'intéressait, c'est le fait qu'il y ait des gens qui reviennent de la mort. Et en fait, ça, c'est une expérience, là, c'est une expérience dont les médecins sont capables de parler. Enfin, voilà, il y a tout un travail autour des comas et qui permet d'élucider, en fait, ces cas un peu bizarres de gens qui sont passés, qui ont passé la frontière. Et donc, je voulais travailler sur cette frontière avec cette idée que, finalement, avec cette idée un peu bête que j'avais, sans trop savoir pourquoi, qu'en fait, il n'y a aucune différence entre être mort et être vivant. Il y a très peu de différence. Il y a très peu de différence. C'est-à-dire qu'en fait... Il y a des moments où on ne sait pas trop bien, justement. Non, mais il y a des moments, pour certaines personnes, on ne sait pas trop bien s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. C'est-à-dire que la zone intermédiaire est assez large, en fait. Beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser. Et donc, je voulais vraiment travailler sur cet espace, ou ce temps, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du temps ou de l'espace, où on est un peu vivant ou un peu mort, entre les deux, etc. Donc, voilà, j'ai commencé à faire des recherches... C'est-à-dire j'ai interviewé des gens qui avaient vécu cette expérience, mais j'ai aussi été rencontrer des médecins, des gens qui travaillaient sur le coma, des anesthésistes, etc. Et c'est comme ça que le travail a commencé. Et à un moment, après avoir fait tout ce travail, vous savez, ces travaux documentaires, enfin moi en tout cas, Mélisse dira après comment elle procède, mais moi je fais le travail documentaire sans trop savoir pourquoi, mais je sais que je veux travailler sur les épisodes de mort imminente. Et une fois que j'ai accumulé ce matériau, et ça prend plusieurs mois, je me retrouve avec ça et bon bah, je ne sais pas très bien quoi en faire. Et là, brusquement, le premier chapitre de ce fameux livre que je n'avais pas fini revient. Là, parce que c'est vraiment une histoire de revenant. Il insiste. C'est vraiment ça. Et là, brusquement, je sais que c'est grâce à ces épisodes de mort imminente que je vais pouvoir écrire le livre que je n'ai pas écrit la fois d'avant. Et en fait, c'est un livre sur exactement l'état dans lequel on est. C'est un livre sur les revenants, en fait. C'est vraiment, je crois qu'on ne peut pas dire autrement, c'est un livre sur... Sur les faits qui reviennent. Sur les cadavres aussi. Sur les faits qui reviennent. Sur les morts qui reviennent, sur les vivants qui reviennent. Enfin, c'est un livre sur le fait qu'il y a des gens qui... Voilà, c'est ça, c'est les revenants. Et cette alternance entre ce texte-là et le texte de la fiction, à quel moment vous l'avez organisé ?
Bah justement, après avoir accumulé cette documentation et me poser la question de savoir comment, comment travailler, en fait, et ça, c'est quelque chose que je fais dans d'autres livres, enfin, c'est une chose que j'aime bien faire, comment travailler à établir des liens entre la zone documentaire et la zone de fiction, comment faire en sorte que deux choses qui n'appartiennent pas a priori au même registre puissent exister ensemble. Et là, j'ai trouvé cette solution. Pour d'autres livres, en fait, mon idée, c'est toujours d'inventer pour chaque livre des solutions différentes. Dans celui-là, une des solutions, c'est effectivement l'italique, qui intervient de manière irrégulière. Et au début, le lecteur est un petit peu heurté, je pense, quand même, par les apparitions en italique. À la fois, ça guide le lecteur. Et au bout d'un moment, il finit par l'accepter si tout va bien. Mais bon, des fois, oui, non. Oui, hein. Oui, oui, oui. Mais d'autres fois, dans d'autres livres, j'ai utilisé d'autres méthodes. Mais là, vraiment, cet italique, c'est comme une irruption de quelque chose qui, là aussi, insiste. Et au début, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ces épisodes de mort imminente? On ne comprend pas bien le... Et puis, petit à petit... Bah oui, c'est le rapport entre être vivant et être mort. Parce qu'en fait, même assez rapidement. Voilà, donc ça dépend qui on est. Mais, et ce travail sur la... je pense que là aussi, il y a des choses qui nous réunissent, c'est aussi ce rapport à la documentation scientifique. Parce que ce qui est très intéressant dans la science et dans la science médicale, c'est que, bah oui, ça, c'est tout le temps une chose qui vient nous interroger sur le fait qu'on est vivant quand même. Enfin, mais on a des maladies, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant? C'est une des réponses possibles, c'est le médecin qui va nous la donner, quoi. Mélisse de Carangal. Alors, moi, je travaille pas du tout comme ça. Alors, c'est-à-dire que je ne constitue rien à l'avance. Quand j'avais écrit un roman qui était déjà un roman de parcours, qui était Naissance d'un pont, où il fallait que là, la fiction prenne en charge le fait d'amener un pont d'une rive à l'autre, hein, j'avais travaillé avec pas mal de documentation que j'essayais de... Voilà, à partir de laquelle j'essayais de faire ce livre. Et là, pour ce livre-là, j'étais dans une situation assez particulière au moment où j'ai commencé. J'ai voulu le commencer tout de suite. Et en fait, la documentation, je l'ai faite au fur et à mesure que j'écrivais le texte. C'est-à-dire que la scène de surf, c'est déjà un problème documentaire. Enfin, c'est déjà une question documentaire. Qu'est-ce que c'est une vague? Comment ça marche une vague? Et